Mauvaise nouvelle, Président. Il va pas payer. J'ai bien l'impression que personne n'a envie de te revoir vivant. C'est impossible. Comment t'expliques qu'il nous propose 1 million alors qu'on sait que tu pèses 20 milliards? Et j'ai pas 20 milliards. Ne prends pas pour des cons. C'est dans tous les journaux. Ils mélangent tout, c'est le chiffre d'affaires du groupe. C'est pas mon argent. Essaye pas de nous embrouiller, on n'est pas les impôts, nous. Tu nous auras pas comme ça. Le groupe ne m'appartient pas. Je suis l'actionnaire principal, d'accord? Mais j'ai pas 20 milliards. Ça t'a pas empêché de perdre 1,5 million en Union Casino? Mais j'ai jamais perdu 1,5 million. Arrête! C'est dans le journal, c'est là, sous les yeux. Mets ton masque et sors de là. Mène-toi, bordel! Tu veux quoi exactement? Tu veux qu'on te coupe une main? Qu'on t'arrache un œil? C'est ça que tu veux? Parce que c'est ça qu'on va faire! On commence par quoi? Je vous jure, je suis pas aussi riche. Jure pas! Jure pas! T'entends? Regarde. Et lève pas les yeux. Tu sais ce qui t'arrivera si jamais tu nous vois. Alors, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Il mélange tout. Comme tu veux. Écris. Écris-leur que c'est une bande dégueulasse. Écris que c'est ta dernière lettre. On discute plus. Maintenant, c'est le pognon. Où et quand on leur dira? Et ce sera un morceau pour chaque retard. Un morceau de toi, Président. Écris et sois convaincant. Tu peux rentrer.